Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait encore un catch and cook, mais cette fois-ci avec un lynx du Canada. Merci au trappeur qui a généreusement offert la viande. On va faire un repas de roi avec ça. Avant que les gens me parlent encore des parasites, tout ce qu'il faut, là, l'animal est en santé. La viande n'a pas chauffé du tout. Il était capturé au collet lors des périodes extrêmement froides, selon toutes les règles établies au Québec. Donc, il n'y a pas d'histoire de braconnage là-dedans. Il était congelé en plus. Ça fait un bout que j'ai à la maison. Là, ce qu'on a fait avec la viande, on l'a fait saumurer. Donc, du gros sel avec du sirop d'érable local et des épices boréales. La recette va suivre. Là, on va l'écrire directement dans la vidéo pour les proportions. Les épices boréales, c'est un mélange de poivre des dunes, de myrique baumier, de feuilles de framboise, de nard d'épinède et de pousses de sapin. Donc, on a mis ça 24 heures. Après ça, on l'a rincé pour que ce soit trop salé. On va faire fumer ça avec du bois. On va s'entendre sauvage, là. Fait que c'est pas des copeaux, rien de ça. On va faire fumer ça là-dessus quelques heures. Une fois que ça va être terminé, ça, on va le faire cuire avec une grosse bière de type belge. Question de donner encore plus de goût. Donc, on starte le feu, on met ça à fumer, puis on se revoit tantôt. Bon, je viens de tourner la viande après environ 1h30 de boucanage. Comme vous pouvez voir, la surface là, est bien fumée. On a un problème, par contre, le vent s'est levé et que la boucane n'est pas toujours assez haute. Normalement, l'été, j'aurais fermé ça avec de la fougère. Là, je voulais pas couper des branches de sapin pour tout fermer ça. Là. Et je pense que ça va être assez fumé quand même. De toute façon, le but, c'est pas de le faire cuire sur le feu, c'est vraiment juste de le fumer. Après ça, on va terminer notre jambon de lynx dans la bière. Bon, on va virer ça pour voir le taux de fumaison de l'autre côté, mais je pense qu'on va être pas mal prêt à mettre ça dans la bière. Ah, les gars. Ça sent bon. C'est juste en surface qui est sec. L'intérieur, elle a bien juteux encore. Donc, on va voir. On a le maudit de pièce de viande après ça. Encore un petit 15-20 minutes de fumage, je pense. Bon,
torche parce que ça fait quelques heures déjà que ça fume. Ça a l'air un beau ring de fumée tout le tour. Pour les puristes qui vont dire que j'ai pas fait de fumer ça avec des copeaux, ben là, regarde, on fait ça en indienne en plein bois. Mais par contre, on fait une recette un petit peu plus haut de gamme aujourd'hui dans la 3 pistoles. J'ai choisi de prendre une 3 pistoles. C'est l'inspiration du moment. Je crois que j'aurais pu prendre n'importe quelle bière de type belge. Une fin du monde, ça aurait pu être excellent aussi, autre brasserie. Là. On va voir ce que ça va donner. Je vais mettre ma bière dans ma cocotte. Je vais mettre des morceaux de viande dans ma cocotte. On va centrer ça au-dessus du feu. On va attendre quelques heures. Évidemment, les déchets vont être retournés à la ville. Donc, je mets ça dans le fond de mes poches. Puis la corde, je l'ai. On peut voir là, la pièce a bien été fumée. Là. Pas sûr que c'est une bière, ça va être suffisant pour nous deux. C'est pas recouvert entièrement de liquide, je pense qu'on va prendre une deuxième. Comme ce n'était pas entièrement recouvert de liquide, je vais rajouter une deuxième bière. Pour là qu'on n'aura pas assez, mais c'est pas vraiment grave. Là. C'est juste pour donner un bon goût à tout ça. Je vais en prendre une gorgée. Succulente. De toute façon, on ne veut pas que ça boue. On va faire mijoter ça bien lentement. Bien lentement. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je ferme mon couvercle. Là. Bon. La phase boucanage étant terminée, on va enlever ça, ces gros morceaux-là. Là. Je vais juste boucaner et on va se refaire un petit feu de brindille en dessous. Qu'on ne veut pas tant de chaleur parce qu'on veut juste que ça mijote vraiment lentement pendant quelques heures. Donc, je vais partir ça. Il y a déjà des flammes. Pendant que ça cuit, j'ai faim, il faut en profiter pour manger un peu de pain qu'on a fait cuire à la maison hier. Du bon pain maison. Délicieux. Bon, après quelques heures de cuisson, je pense bien que c'est prêt parce que j'ai goûté tantôt. On va décrocher ça de là. C'est quand même assez pesant. Ah ouais, c'est plus rose. Tantôt, c'était bien rosé. Là, c'est bien beau. Je vais virer ça de bord avec mon assiette. Du bon jambon de lynx. Désolé, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Je dirais même pas que c'est du jambon. Je dirais même pas que c'est du lynx. Puis le monde, je pense que c'est du jambon. Vraiment délicieux. J'aimerais remercier deux personnes pour ça. Soit le cuisinier Jonathan Grenon qui m'a inspiré fortement pour la recette. Merci, merci Joe. Aussi le trappeur Charles-Antoine Brassard. Merci Charles. Si t'en as encore, là, n'importe quand, je vais être preneur. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'oubliez pas les pouces en l'air, abonnez-vous à la chaîne. Activez la petite cloche, comme ça vous allez être tenu au courant de tout ce que je vais publier. Merci, bonne journée.